chers téléspectateurs, à quel point la politique fiscale fait l'objet de débats particulièrement passionnés et vigoureux. Et pour cette raison, j'ai pensé qu'il était utile de revenir sur une expérience historique nous ramenant vers les années de l'Ancien Régime, à savoir celle des fermiers généraux, hein, puisqu'il s'agissait là de percevoir au profit de l'État l'impôt indirect. C'est une question qui, évidemment, reste encore aujourd'hui d'actualité. Ces fermiers généraux, ils ont une réputation qui est demeurée plutôt sulfureuse. On a gardé d'eux, dans la foulée de la Révolution française, l'image d'exploiteurs, voire d'escrocs, mais certains ont tenu à les réhabiliter en voyant en eux, en quelque sorte, les ancêtres de nos technocraties contemporaines, et en voyant en eux des gens qui avaient su prélever l'impôt et fournir des ressources à l'État avec une certaine efficacité. Alors de quoi s'agit-il et comment tout cela s'est-il mis en place? Il faut savoir qu'en 1661, quand commence le règne personnel de Louis XIV, l'état des finances n'est pas brillant, puisque l'État a déjà dépensé d'avance 6 années de revenus en 1661. Hein, la longue crise de la Fronde, l'instabilité qui a marqué les années 1650, la poursuite de la guerre contre l'Espagne jusqu'en 1659, tout cela explique ce résultat. Donc il faut absolument faire rendre gorge aux financiers, aux traitants qui profitaient de cette situation pour prêter de l'argent à l'État et qui abusaient en quelque sorte des difficultés que connaissait celui-ci. C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrestation de Fouquet, c'est dans ce contexte que Colbert commence à tisser la toile qui va faire de lui l'homme fort des finances du royaume, et c'est lui qui va tenter de réorganiser un petit peu la perception de l'impôt. En 1669, il va regrouper sous le nom de fermes réunies l'ensemble des services prélevant les gabelles, l'impôt sur le sel, ou prélevant les traites qui portaient sur diverses marchandises. Tout cela va conduire ensuite à un bail général réalisé en 1680 et à la fondation de la ferme générale qui verra son organisation remaniée ensuite en 1726 à la fin de la régence. Dans un contexte difficile, le règne de Louis XIV a été marqué par une succession de guerres qui se sont toutes révélées assez coûteuses, surtout la dernière, la guerre de succession d'Espagne qui s'est éternisée de 1700 à 1713. Il y a eu ensuite au début de la régence l'affaire de la banqueroute de l'eau, donc une situation financière compliquée dans laquelle la ferme générale va jouer un rôle important pour rétablir les finances du royaume. Il faut dire que cette ferme générale dispose de pouvoirs considérables. Hein. Elle a le pouvoir, par exemple, d'armer ses employés, ce qui n'est pas rien. Elle a le pouvoir de perquisitionner à sa guise chez les particuliers, y compris les privilégiés, pour éventuellement y découvrir des produits de contrebande. Elle a le pouvoir d'infliger des amendes. Elle a le pouvoir de faire emprisonner les contrevenants. Et il y a une seule juridiction qui vient contrôler son action, c'est la Cour des aides. Donc un système, on le voit, particulièrement fort, disposant de moyens considérables. En fait, il s'agit d'une compagnie, d'une société privée, d'un corps temporaire d'ailleurs, donc qui a un pouvoir immense, mais qui juridiquement, en revanche, apparaît assez faible. Nous ne sommes pas dans le cas des officiers qui ont affûté leurs charges, qui en sont titulaires, qui sont en mesure depuis le début du XVIIe siècle de la transmettre à leurs enfants. Il n'en reste pas moins que la ferme étant indispensable aux rentrées fiscales, eh bien, elle dispose d'un pouvoir très large. Elle emploie 20 à 25 000 agents, hein, dont les fameux gabelous particulièrement impopulaires, hein, chargés de percevoir les droits pesant sur le sel.
rebelles, hein, ces gabelous qui sont généralement d'anciens soldats, qui sont donc de mœurs assez rustiques, voire brutales, ce qui contribue à l'impopularité du système. Ces fermiers généraux, ils doivent verser un cautionnement pour pouvoir accéder à leur poste et exercer leur charge, donc on se méfiait quand même. Comment tout cela fonctionnait-il? Il y avait une direction de 40 fermiers généraux, accompagnée de 27 adjoints, de 25 régisseurs généraux, de 19 administrateurs de domaines, autant de personnes dont la nomination dépendait de la bonne volonté du pouvoir. C'était des gens qui étaient bien payés, qui avaient mis au point un système de retraite qui était fondé sur un système de cotisation tout à fait en avance donc à cette époque, hein, et ces fonctions étaient soumises à adjudication, et c'était les plus forts enchérisseurs qui pouvaient ainsi devenir fermiers généraux. En fait, le pouvoir jouait son rôle dans ces nominations, hein. Parfois c'était le roi en direct qui poussait un protégé, ou alors c'était les princes du sang, ou alors c'était parfois les favorites du moment, ou c'était les ministres qui donnaient leur feu vert pour permettre l'accès à ces responsabilités de certains de leurs protégés. Hein. C'était des gens qui étaient liés par une solidarité puissante, hein. Ils venaient tous du milieu de la finance, des milieux d'argent, se connaissaient et constituaient donc un corps extrêmement solide pour mettre en place cette machine financière énorme qui, en 1788, assurait 51% des revenus de l'État, c'est-à-dire 250 millions de livres. Hein, le budget de l'État, si on peut parler ainsi, se trouvant autour de un peu plus de 400 millions de livres à l'époque, à la fin de l'Ancien Régime. Il faut ajouter à cela les frais de fonctionnement de l'institution. Je l'ai dit, l'existence d'un personnel nombreux, compétent et bien payé. Et puis, les bénéfices d'exploitation, puisque le rapport du service rendu à l'État était de l'ordre de 25 à 35% des sommes collectées. Hein. Donc, on va avoir affaire ainsi à des gens fortunés. Hein. Quand on arrive en 1750, au milieu du XVIIIe siècle, le capital en fortune des 40 fermiers généraux, ça représente 200 millions de livres, hein, pas loin donc d'une année de budget, de la moitié, pardon, d'une année de budget de l'État. Donc, une fonction, on le voit, tout à fait rémunératrice. Hein. Ben, oui, bien sûr, parce que le produit de la ressource fiscale ainsi perçue, il était partagé entre le roi, l'État et puis les fermiers eux-mêmes. Ces fermiers, en plus, grâce à des artifices de comptabilité, ils prêtent en plus à l'État et sont remboursés avec évidemment un intérêt pour cela. De quoi favoriser encore la croissance de leur fortune. Qui sont-ils? Quelle est leur origine? Ce sont des gens au départ déjà fortunés. Hein, 50% viennent des milieux d'argent, ce qu'on appelait les traitants au XVIIe siècle. Hein, 12% viennent de la noblesse de robe et le reste vient essentiellement de diverses professions commerciales. Hein. C'est un monde qui est ouvert, c'est un milieu qui est ouvert, hein, puisque ces fermiers, à travers une politique d'alliance matrimoniale, vont s'ouvrir sur la noblesse, hein, bien sûr, parce que la noblesse reste un peu l'idéal social supérieur, c'est donc tout à fait naturel. Ils sont ouverts également sur le milieu parlementaire, hein, auquel ils accèdent par des achats de charges. Ils sont ouverts sur les charges d'officiers qu'ils achètent également, hein, et qui leur valent une influence politique et sociale importante. Hein. On sait à travers les testaments de ces fermiers généraux quelle était la source de leur fortune. Hein. La part investie dans la ferme générale ne représente en général qu'à peu près 38% des successions, à peu près un tiers. Pour le reste, eh bien, il y a des revenus fonctionnels
fonciers qui sont importants, il y a des revenus de biens immobiliers, il y a des revenus de rente auxquels ils ont souscrit, et il y a également des créances dont ils bénéficient du fait des prêts qu'ils ont consentis à des particuliers. Donc une fortune en fait assez diverse, même si bien sûr la part de la ferme générale est considérable dans tout cela. Ces gens-là, ils accèdent à l'élite sociale. Hein, au bout du compte, certains viennent de la finance, viennent du commerce, mais tous finissent à un moment ou à un autre anoblis, hein, ou pratiquement tous. Seuls 10% vont rester roturiers, et ce sont les moins importants, ce sont les moins dynamiques. Également, il faut signaler qu'au XVIIIe siècle, la ferme générale peut s'ouvrir à la noblesse. Il n'y a plus de dérogeance pour un noble de s'engager dans ce type d'activité. Le bail établi en 1726 l'explique clairement. Hein. Et puis, au-delà de l'accès proprement dit à la noblesse, c'est tout le genre de vie noble qu'adoptent ces fermiers généraux. Hein. On les retrouve dans les salons qui fleurissent à l'époque. Ils ont les mêmes loisirs que la noblesse la plus fortunée. Ils ont les mêmes goûts, adoptent les mêmes idées. En général, ils appartiennent à l'Église catholique. Ils sont très mal vus des protestants parce que ceux-ci sont opposés à l'impôt indirect ainsi affirmé. Hein. Ils participent généralement aussi aux idées nouvelles, catholiques certes, mais un catholicisme assez tiède et une ouverture sur les idées philosophiques alors en vogue. Hein. On les voit s'attacher aux idées de progrès, aux idées de cosmopolitisme qui fleurissent à ce moment-là. Derrière ces remarques générales, il y a quand même une assez grande diversité que l'on peut remarquer, des personnalités différentes, des situations différentes. Hein. Il y a des fermiers généraux qui sont des parasites sociaux, hein, qui sont des financiers au sens le plus élémentaire du terme. La caricature en a été faite par le sage dans Turcaret, sa pièce qui va rencontrer à l'époque un grand succès. Mais dans l'ensemble, et derrière cette caricature, on constate que l'on a affaire à des gens qui sont capables, responsables, qui sont des gens honnêtes et chez lesquels les banqueroutes finalement seront rares. Hein. L'exception, c'est celle de Préaudot de Montchamp en 1779 et qui fit grand scandale, ce qui montre bien que c'était quelque chose de finalement peu répandu. On a beaucoup exagéré aussi en les voyant fréquenter les salons, la noblesse libérale de l'époque, sur le libertinage des mœurs de ces fermiers généraux. En fait, ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, on a affaire à des familles solides. Les débauchés caractéristiques de l'époque sont finalement très rares dans cette catégorie, où au contraire on valorise beaucoup les travaux de l'esprit, l'instruction, où l'on valorise beaucoup la bonne tenue dans le monde. Hein. Ce sont des gens qui sont des mécènes. Hein. Laborde et Dupin, par exemple, soutiennent le peintre Greuze. Helvétius soutient le peintre Vanloo. La Peuplinière va apporter son aide à Maurice Quentin Latour. Donc mécène vis-à-vis des peintres de l'époque, ce sont des collectionneurs, même d'un point de vue collectif, puisqu'on va avoir ainsi en 1762 une édition luxueuse des Contes et Nouvelles de La Fontaine qui va être publiée aux frais d'un certain nombre de fermiers généraux et qui a gagné ainsi son nom d'édition des fermiers généraux. Alors, ce sont des gens qui
habitent de belles demeures, ils vont faire construire des hôtels particuliers tout à fait remarquables. Hein. Leurs salons vont accueillir ce que l'on appelle à l'époque la République des Lettres. Hein. On sait l'importance des salons de Madame Geoffrin, de Madame de Tencin, de Madame du Deffand à l'époque. Hein. Eh bien, les fermiers généraux participent aussi à toute cette vie intellectuelle caractéristique de l'époque. Helvétius va recevoir chez lui d'Alembert, d'Holbach, Marmontel, et puis les encyclopédistes en général. Ces fermiers généraux se piquent également de sciences, hein, de sciences naturelles. Ils établissent des collections, collections de minéraux, par exemple, chez Gaz ou Dauny, collections d'animaux naturalisés. Hein, les sciences naturelles, c'est l'époque de Linné en botanique, de Buffon en zoologie, retiennent l'attention à l'époque, et en particulier dans ce milieu. Ce sont des gens qui vont se livrer aussi à des expérimentations scientifiques. Hein. Savalette de Buchelet va installer chez lui des laboratoires de physique et de chimie. Et on connaît évidemment le cas de Lavoisier, entré dans la ferme générale en 1774 sur recommandation du contrôleur général des finances Terray. Nous sommes tout à fait à l'extrême fin du règne de Louis XV. Hein. Lavoisier, grand chimiste comme on sait, qui sera guillotiné en 1794 avec 27 autres fermiers généraux, ce qui en dit long sur l'hostilité, les rancunes que suscitait à l'époque la ferme générale. Hein. Lavoisier qui vainement fit état de ses travaux de scientifique pour apaiser l'accusateur public, mais qui se vit répondre que la République n'avait pas besoin de savants. Alors, cette ferme générale, ou ces fermiers généraux, ils sont donc intégrés à la haute société, à beaucoup d'égards, ils y participent, mais en même temps, ils sont rejetés par l'opinion. L'opinion éclairée parce que le principe de la fermage des impôts est mal accepté dans l'esprit de l'époque. Hein. Il y a un rejet donc du phénomène. Nous sommes, c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec les révoltes antifiscales des années 1630-1640, où les élites de l'époque étaient tout à fait hostiles, bien sûr, à ces révoltes paysannes. Au XVIIIe siècle, l'esprit a changé et la ferme générale se trouve en fait un peu mise en accusation. La magistrature, des parlementaires leur est hostile parce qu'elle voit en eux des rivaux dans la compétition sociale et dans le prestige social. Hein. Les intellectuels, Diderot se prononce contre la ferme générale. Ça ne l'empêche pas de placer dans la ferme générale l'argent qu'il a tiré de la vente de sa bibliothèque à Catherine II de Russie. Alors pour le peuple, en revanche, l'hostilité est claire. Pourquoi ? Ben à cause de la multiplication des octrois, des contrôles, de l'omniprésence des gabelous qui contrôlent le commerce du sel. Hein. Il faut savoir qu'il y avait une taxation forfaitaire qui était établie sur la consommation du sel supposé dans chaque foyer. Alors vous imaginez tous les excès que cela pouvait entraîner, l'exaspération que cela pouvait entraîner. Et tout cela va s'exprimer dans les cahiers de doléances lors des préparatifs de la réunion des États généraux au printemps 1789. Et alors là, les termes sont clairs, sangsue du peuple, peste du royaume, vermine, fléau de l'État, c'est ainsi que sont désignés les fermiers généraux, ceux en qui Voltaire voyait les 40 rois non couronnés qui gouvernent la France. Hein. Alors, les ministres qui auraient voulu réformer le système, Turgot, Necker, n'en sont que plus populaires, mais l'opinion soutient les fraudeurs. Hein, on a parlé il y a quelques temps de Mandrin qui bénéficiait dans l'opinion d'une image plutôt positive. C'est parce que ben il s'en prenait spécialement à la ferme générale. L'organisation de la perception des gabelles facilite les choses. Hein, ça varie selon les circonscriptions. Il y a les pays rédimés, rachetés de la gabelle. Il y a les pays de petites gabelles, de grandes gabelles, de France allée, où on ne payait rien. Alors ça permet d'une province à l'autre toutes les contrebandes possibles. En tout cas, 1789 va balayer tout cela. Hein. Mais le problème très vite, c'est que les rentrées fiscales vont s'effondrer.
s'effondrer. Et finalement, les fermiers généraux, quelque part, après les malheurs qu'ils vont connaître durant la Révolution, eh bien, la suppression de la ferme, les poursuites, les condamnations à mort, la confiscation de leurs biens, ils auront leur revanche puisque Napoléon rétablira quelque part avec son administration des contributions indirectes, un modèle qui, finalement, en termes de rentrée fiscale, avait su faire ses preuves. Plus célèbre voyageuse exploratrice du XXe siècle, Alexandra David Nell. Alexandra David est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé, près de Paris. Son père est un ancien directeur de presse qui s'est mêlé de politique en s'opposant à Louis-Philippe puis à Napoléon III, ce qui l'a contraint à l'exil en Belgique pendant plusieurs années. Durant ce séjour forcé, il fait la connaissance d'une jeune femme de Louvain qu'il épouse et Alexandra naît de ce ménage. Un ménage qui ne s'entendit finalement jamais très bien. Alexandra était par ailleurs assez proche de son père, plutôt proche de son père, mais ne s'est jamais entendue avec sa mère, qu'elle trouve de toute façon bigote et superficielle. Dès son plus jeune âge, elle se révèle être une personnalité hors du commun. C'est une petite fille avec beaucoup de caractère que ses parents ont du mal à dompter. Seule la nature, les arbres, les animaux l'intéressent. Elle a tendance, dès l'âge de 5 ans, à partir toute seule dans le bois de Vincennes pour observer ce qui l'intéresse. Évidemment, elle est rattrapée et grondée. Après ces incidents, on la bride encore plus et la petite fille étouffe. Elle se réfugie alors dans un grand atlas que son père lui a offert et elle passe des heures à regarder les cartes, en particulier celle de l'Asie. Elle fréquente avec son père un homme qui va entretenir ce désir de liberté et de voyage. Il s'agit d'Élisée Reclus, le célèbre géographe un peu anarchiste et vieil ami de la famille avec lequel elle se lie d'amitié. Et c'est lui, sans aucun doute, qui fait grandir en Alexandra cet intérêt pour les voyages. À l'adolescence, ses parents l'envoient dans un couvent où, évidemment, elle s'ennuie ferme. Au point qu'un jour, à l'occasion d'une sortie, elle s'enfuit et parcourt seule l'Angleterre et les Pays-Bas. Elle n'a que 15 ans. Nous sommes en 1883. C'est tout à fait inconvenant à cette époque pour une jeune fille de voyager sans chaperon. Mais Alexandra s'en moque. Elle recommence 2 ans plus tard, vers la Suisse et l'Italie, et elle ne met fin à son escapade que lorsqu'elle se retrouve sans argent. Elle écrit alors à ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Sa mère s'exécute de mauvaise grâce, mais pour éviter le scandale. Les vêtements d'une jeune fille grandissant à la fin du XIXe siècle sont décidément trop étriqués pour Alexandra. Elle ne rêve que d'une seule chose, partir et partir loin. Pour cela, elle décide d'apprendre l'anglais et va s'installer à Londres chez l'une de ses amies. C'est là-bas qu'elle découvre et adhère à la société théosophique et qu'elle commence à s'intéresser à la spiritualité. Elle passe son temps à la bibliothèque de l'association et dévore, étudie tous les grands textes de l'Inde auxquels elle peut avoir accès. À son retour à Paris, elle continue et fréquente chaque jour le musée Guimet. Là encore, elle se plonge durant des heures dans la lecture de tous les livres sur le bouddhisme. L'Asie, et en particulier l'Inde, la fascine encore plus. C'est en 1891 que l'héritage providentiel de sa marraine lui permet de faire son premier voyage en Asie. Elle découvre Ceylan et l'Inde. Elle est de prime abord relativement déçue par les deux. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle renonce à voyager. Seulement, l'argent lui manque à nouveau. Heureusement, quelques années plus tard, Alexandra découvre qu'elle a un don particulier. Elle a une voix. Elle décide donc d'exploiter ce don providentiel, travaille sa technique vocale en prenant des cours, et la voilà qui se lance dans une carrière de chanteuse lyrique à travers l'Europe et ses colonies. Elle devient internationalement connue. Entre 1895 et 1899, elle part en Indochine. Puis elle chante à Paris et Athènes, au gré des saisons lyriques. À partir de 1900, elle chante en Espagne, puis en Tunisie, où elle prend parallèlement la direction du casino de Tunis. Au moins, sa soif de voyage est-elle apaisée pour quelque temps. Le destin va alors lui donner un nouveau coup de pouce en la personne de Philippe Nell de Saint-Sauveur, un ingénieur des chemins de fer qu'elle rencontre en Tunisie et qu'elle finit par épouser après avoir été pendant 2 ans sa maîtresse. Pourtant, ces deux personnalités sont tout à fait opposées. Alexandra a la bougeotte, tandis que son époux ne rêve que d'une vie rangée et sans surprise.
Philippe pensait avoir dompté l'originale cantatrice, mais après quelques années de vie commune, il comprend qu'il ne peut pas retenir son épouse et Alexandra recommence ses voyages. Néanmoins, malgré la distance qui s'installe entre eux, une distance au sens propre et au sens figuré, il pourvoira toujours à ses besoins et lui permettra de réaliser ses projets. Alexandra, lui, en a été toujours reconnaissante. À la mort de Philippe, elle écrira « J'ai perdu le meilleur des maris et mon seul ami ». Vous avez bien compris que la soif de voyage d'Alexandra va de pair avec son incessante quête spirituelle. Elle cherche toujours une réponse à ses questions existentielles. Elle s'était rapidement détachée de son éducation chrétienne pour se tourner vers le bouddhisme. Dès 1911, elle publie ses premiers écrits sur le sujet. L'année suivante, elle se rend en Inde, au Sikkim, où elle rencontre le 13e Dalai Lama. C'est la première fois que celui-ci reçoit une femme, une européenne de surcroît. En 1912, elle séjourne à nouveau en Inde, puis se rend au Népal. C'est là, au Népal, qu'il lui arrive une aventure assez incroyable. Alexandra décide d'aller méditer dans la jungle, c'est imprudemment. Elle se retrouve face à face avec un tigre, un mangeur d'hommes. Voyant qu'il lui est impossible de s'échapper, elle décide de reprendre sa méditation, confiant sa vie aux esprits des lieux. Quand elle rouvre les yeux, le tigre a disparu. Chanceuse ou protégée des dieux, il s'en est fallu de peu que Alexandra termine dans l'estomac d'un tigre. Bientôt, nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Alexandra David-Nel va se tenir en dehors de la tourmente en devenant ermite pendant 2 ans et demi dans le massif de l'Himalaya à 3500 mètres d'altitude. Elle est seule, se nourrit de tsampa, une espèce de bouillie d'orge, et de thé au beurre. Comme elle l'écrit, c'est un lieu pour apprendre les enseignements secrets des bouddhistes tibétains. À l'issue de cette expérience et après avoir reçu l'enseignement de plusieurs lamas, elle devient elle-même lama sous le nom de Lampe de Sagesse. Mais elle continue sa quête. Elle fait un court séjour en Birmanie, puis se rend en Corée, au Japon, à Pékin. Un fait important survient pour elle en 1918, où elle peut enfin entrer au Tibet à la suite d'un lama de haut rang. De 1918 à 1920, elle passe un long séjour au monastère de Kumbum dans la province de Lamdo. Elle peut contempler l'arbre sacré et miraculeux du monastère et suivre toutes les cérémonies de l'imposante cité religieuse qui ne comporte pas moins de 3800 lamas. Pendant son absence, sa notoriété s'est accrue en Europe. Elle donne à son retour de plus en plus de conférences. Courtisée par les loges maçonniques friandes d'ésotérisme, elle finit par y adhérer, commençant par la Société des Rose-Croix. Mais ce n'est pas dans ses folklores qu'elle trouve satisfaction. Et le but qu'elle veut atteindre, c'est Lhasa, le centre spirituel de sa quête. Entre 1921 et 1923, elle va faire 4 tentatives pour y parvenir. À chaque fois, elle est arrêtée par la guerre civile, la maladie ou par des fonctionnaires pointilleux qui l'empêchent de franchir la frontière. Il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, quelques rares Européens avaient réussi à séjourner au Tibet. Dans la première moitié du XIXe siècle aussi, pour la plupart, ils ne parviennent pas jusqu'à Lhasa. Depuis cette époque, le Tibet s'est refermé sur lui-même et aucun Européen n'a plus le droit d'y pénétrer, encore moins s'il est une femme. En octobre 1923, pour sa 5e tentative, Alexandra décide de voyager sans porteur et sans bagage. Seul un jeune Tibétain du nom de Yongsen l'accompagne. Elle avait engagé ce jeune garçon comme boy lors de son 3e séjour en Inde en 1913. Cela a été le début d'une longue amitié et Alexandra en fera même son fils adoptif quelques années plus tard. Pour le moment, ils ont mis un scénario au point. Ils sont 2 pèlerins mendiants et Alexandra joue le rôle de la vieille mère de Yongsen. Elle a foncé sa peau avec un mélange de cendre et de cacao. Et elle a évidemment revêtu une tenue traditionnelle. C'est Yongsen qui se charge des échanges avec les Tibétains, bien que Alexandra parle tibétain, mais on ne sait jamais. Ils n'ont comme seul équipement qu'une petite tente de coton, quelques piquets de fer, un morceau de toile pour se protéger de l'humidité, un morceau de cuir pour ravauder leurs chaussures et quelques vivres. Ils vont affronter l'hiver et la montagne à des altitudes dépassant parfois les 7000 mètres et de surcroît voyager le plus souvent possible de nuit, augmentant les risques d'accident dans une nature franchement hostile. Ils vivent de mendicité et parfois restent plusieurs jours sans manger. Après 1000 péripéties où ils manquent d'être découverts et pire, où ils frôlent tous deux la mort, le 28 février 1924, Alexandra David-Nel aperçoit enfin les toits du Potala, le palais forteresse du Dalai Lama. Elle rentre enfin dans Lhasa, la cité des dieux interdite aux occidentaux. Toujours cachée sous ses habits de vieille mendiante tibétaine, elle va parvenir à y vivre pendant 2 mois.
C'est à l'époque un exploit extraordinaire que vient de réaliser Alexandra David-Nel après 5 mois d'un voyage à l'allure d'Odyssée à travers les espaces glacés du Tibet. Elle a 55 ans, c'est presque un aboutissement, le rêve de toute une vie qu'elle a réalisé grâce à une ténacité, une pugnacité hors du commun. En 1927, son récit d'une Parisienne à Lhasa rencontre un immense succès. Les années suivantes, elle parcourt le monde pour y tenir des conférences et continue à publier des livres sur le bouddhisme. Elle n'arrête pas pour autant de voyager et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle va être bloquée en Chine à partir de 1938 et ceci pendant 6 ans. Ce fut son dernier long voyage loin de l'Europe qui décidément lui manque. Alexandra continue à écrire à son retour. Dans sa maison de Digne, une maison qu'elle avait achetée en 1928 et qu'elle avait nommée Samten Tsong, forteresse de la méditation, elle écrit pour raconter ses expériences de voyage et gagner sa vie, comme c'est aujourd'hui le cas de nombreux écrivains voyageurs. Sauf qu'Alexandra David-Nel a commencé le voyage en 1913, à une époque où l'on ne faisait pas de trekking. La lampe de sagesse s'éteignit à l'aube de ses 101 ans à Digne, le 8 septembre 1969. Elle avait rayonné pendant des années, faisant de sa maison un petit bout de Tibet en Europe. À sa demande, ses cendres et celles de son fils adoptif furent dispersées sur le Gange. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre ami Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des idées politiques et plus particulièrement de l'histoire des droites. Il vient de rééditer aux éditions Pierre-Guillaume de Roux un ouvrage qui était introuvable depuis longtemps, un ouvrage de Paul Serrand intitulé « Le romantisme fasciste ». Un ouvrage qui rencontre un succès certain au début des années 1960 et encore une fois qui était devenu introuvable. C'est donc tout à fait intéressant et utile d'avoir organisé sa réédition donc aux excellentes éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alors d'abord, pouvez-vous nous rappeler, Olivier Dard, qui était Paul Serrand? Pour les gens de ma génération, c'est un nom assez familier, mais pour les plus jeunes, les choses sont moins évidentes. Absolument. Alors, Paul Serrand, je commencerai par indiquer ses dates. Il est né en 1922 et il est mort en 2002. Donc, mais l'important, évidemment, pour notre affaire, c'est qu'il soit né en 1922. Ce qui signifie que c'est un jeune garçon au moment du 6 février 1934 et qu'il a au fond 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est très important, je pense qu'on y reviendra. Alors Paul Serrand est le frère de quelqu'un d'assez connu pour les milieux de droite, notamment d'Action française, Louis Salon, qui fut une des figures de la jeune droite, un des théoriciens de la corporation paysanne, donc sous Vichy. Et Paul Serrand a été très engagé, évidemment, dans une vie professionnelle qui a été essentiellement, après la guerre, une vie de journalisme, où il a notamment côtoyé Louis Bowels, entre autres, à Combat. Et Serrand, en même temps qu'il a été un journaliste important, a été aussi un essayiste prolifique. Alors il a commencé par un travail sur René Guénon, et ensuite toute une série d'essais sur la droite, la gauche, et le romantisme fasciste, donc publié en 1959, est effectivement un de ses essais majeurs, ce qui explique que nous l'ayons réédité. – Un ouvrage publié donc, si je comprends bien, quand il a 37 ans. Il a 37 ans, mais chez Paul Serrand, au fond, les ouvrages se succèdent, mais obéissent en même temps à une logique de continuité. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la préface, on ne peut pas comprendre le romantisme fasciste, par exemple, si on ne tient pas compte de son premier livre sur Guénon. Car au fond, c'est exactement la même méthode, et on pourrait presque qualifier ce livre, au fond, d'anthologie commentée, car c'est rendre beaucoup la parole aux auteurs qui l'étudient. Et également, on ne peut pas comprendre le romantisme fasciste sans la propre vie de Serrand, qui a fréquenté Robert Brasillach pendant la guerre, même si Serrand s'est engagé dans la résistance, parce que ses débuts de journaliste, il les a faits après la libération à la BBC, en Angleterre. Mais Brasillach, il l'a notamment mis en scène dans des romans, et notamment dans un roman important qui s'intitulait « Les Inciviques », paru en 1955. Et de ce point de vue,
Au fond, je dirais que le romantisme fasciste est à la fois une étude, et une étude assez novatrice en son temps, sur ces quelques écrivains que Serrand rapproche pour parler du fascisme français, mais c'est aussi ce que j'appellerais une autobiographie à clé. C'est-à-dire qu'on voit très bien, hein, comme plus tard dans Les dissidents de l'Action française, qu'il a écrit en 1978 et qu'on a réédité avec Pierre-Guillaume de Roux l'année dernière, on voit très bien chez Serrand toute l'importance de sa propre vie, de ses lectures, pour comprendre, au fond, cheminement. Un contemporain des auteurs, évidemment, qu'il évoque. Hein. Alors, un contemporain plus jeune, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de son âge. 1922, il y a une dizaine d'années d'écart, voilà, une quinzaine d'années d'écart, et évidemment, elles sont très importantes pour ce jeune garçon. Et alors, Paul Serrand, qui s'est intéressé aussi, on peut le signaler, au régionalisme. Absolument. Il a publié dans les années 60 un livre qui s'intitulait « La France des minorités ». Alors là aussi, c'est un classique à droite. Je veux dire par là que les droites se sont très longtemps inscrites dans une logique décentralisatrice, et notamment les héritiers du maurrasisme, puisque l'autre grand régionaliste français était passé par l'Action française et était Jean-François Gravier. Paris et le désert français. Première édition, parce que la deuxième édition de 1959-60 est beaucoup plus. Ce qui s'enseigne à l'ENA est beaucoup moins radical. Que la première édition de 1947. C'est une distinction intéressante. Voilà, voilà. Bien sûr. Le jeu des rééditions est toujours intéressant. Mais Paul Serrand, il s'est intéressé aussi à l'épuration. Absolument. Alors, vous avez évoqué le roman Les Inciviques, qui évoque cette séquence-là, mais également un livre d'histoire intitulé Les Vaincus de la Libération, et qui avait l'originalité de ne pas être un énième travail sur l'épuration en France, qui est assez bien connu, mais qui mettait en scène l'événement dans sa dimension européenne. Absolument, absolument. Et de ce point de vue, l'épuration a joué dans l'itinéraire de Paul Serrand un rôle essentiel, car il a en particulier accompagné, du moins autant qu'il l'a pu, Robert Brasillach au cours de l'hiver, notamment 44-45, puisqu'il a essayé, il lui a écrit, il a essayé de le rencontrer, ce qui était évidemment impossible, mais il y avait un lien assez fort entre ces deux personnes. – Oui, et il a été particulièrement impressionné par cette période tout à fait. Qui a suivi la libération. Alors, venons-en maintenant plus particulièrement donc à l'ouvrage, le romantisme fasciste. Le terme paraît surprenant parce que fascisme, on imagine des brutes en chemise noire. Il y a une image qui est évidemment très, très dévalorisante du fascisme qui est dominante aujourd'hui. Alors le mot romantisme associé au fascisme, ça paraît un petit peu surprenant. Alors ça paraît surprenant, et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'en réalité, Serrand n'est pas le premier à l'employer. Ah oui. En fait, quand Serrand parle du romantisme fasciste, lui, il songe d'abord au romantisme de la jeunesse, et là, toute l'empreinte de Robert Brasillach est évidemment fondamentale. Mais en 1955, et je ne pense pas que Serrand l'ait lu, mais en 1955, Raoul Girardet a publié dans la revue française de sciences politiques un article fondateur sur la question du fascisme français en particulier. Et dans cet article fondateur, Girardet parlait du romantisme fasciste. Simplement, Girardet ne parlait pas seulement du romantisme de la jeunesse, il parlait aussi du romantisme de l'action, etc. Donc c'était une idée qui, durant les années 50, était dans l'air du temps. – Qui était latente. – Qui était dans l'air du temps, mais à un moment où le fascisme n'était pas encore considéré comme un objet d'étude historique à part entière, hein, parce que le tout premier article de René Raymond sur le sujet date de 1954, Girardet, c'est 55, arrive Serrand donc après. – Une dizaine d'années seulement après la fin de la guerre. – Et après, c'est les Plumet de la Sierra, les fascismes français, etc. Et on entre dans la constitution d'un savoir universitaire. – Raoul Girardet, il faut le rappeler, qui avait été résistant, absolument, mais que l'on a retrouvé au début des 60 dans l'antigaullisme algérie-française, notamment autour de la revue L'Esprit Public. – Autour de la revue L'Esprit Public, et Raoul Girardet venait de l'Action française. Aussi, tout à fait. De cette jeune droite que connaît fort bien Serrand. Voilà.
Paul Serran, qu'on aurait très bien pu avoir d'ailleurs aussi à l'esprit public, en compagnie de Jean Mabir, de Jules Monraux, de Philippe Éduit, de Michel Déon, il aurait eu toute sa place, hein, d'autant que je crois qu'il connaissait, hein, oui, il un certain nombre des acteurs. Absolument. Alors, ce romantisme fasciste, en fait, c'est un ouvrage qui porte sur cinq auteurs. Hein – Alors effectivement, il porte sur des écrivains. – Voilà, alors qui sont ?– Alors, il porte sur des écrivains, alors c'est important que vous disiez ça, Philippe Conrad, parce qu'il y a effectivement une ambiguïté, c'est d'ailleurs une des critiques qui a été adressée à Serran, notamment par son frère, qui n'a pas été très fraternel dans cette histoire, en lui disant que le livre, au fond, ne portait pas sur le fascisme pris dans sa globalité. Non, ça, il porte effectivement sur un certain nombre d'écrivains, alors qui sont Robert Brasillach, bien entendu, Lucien Robatet, Pierre Drieux-Larochelle, Alphonse de Chateaubriand, Abel Bonnard, et en fait, il y en a un sixième, qui est Louis-Ferdinand Céline. – Ah oui, il y en a six. – Alors voilà, il y en a six, mais le problème de ce travail, c'est effectivement la mise en regard des uns par rapport aux autres. Car faire cohabiter dans le même ouvrage Abel Bonnard, Louis-Ferdinand Céline, voilà. Mais c'est un parti pris assumé par Serran, qui, au fond, est à la fois quelqu'un d'extrêmement soucieux des textes, soucieux de laisser, au fond, les auteurs parler, même s'il les commente et s'il prend un certain nombre de positions. Mais Serran n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui, si vous voulez, un esprit conceptuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans le livre de Serran une approche conceptuelle du fascisme. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer, au fond, en quoi ces écrivains importants, effectivement, à l'aune de la période considérée, ces années 30 et 40, ont eu maille à partir avec le fascisme. – Ont pu être séduits par ce phénomène politique nouveau, donc, de l'entre-deux-guerres. Hein. Oui, parce qu'effectivement, rapprocher Brasillach et Céline, les choses ne sont pas absolument évidentes sur le plan littéraire. – C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. – Sur le plan littéraire, c'est certain. – Alors, l'ouvrage est organisé non pas avec une succession de chapitres correspondant chacun à l'un des six écrivains concernés, mais autour d'un certain nombre de chapitres thématiques, hein, des grands thèmes à propos desquels Serran interroge en quelque sorte les auteurs concernés en essayant de mettre en avant ce qu'ils ont dit de cette question, les interprétations qu'ils ont apportées. Alors quels sont justement ces grands thèmes qui rapprochent ces auteurs différents de ce qu'a été globalement le fascisme, hein. Alors, il y a effectivement une dizaine de chapitres, on va peut-être pas tous les énumérer, mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ces chapitres, au fond, et leurs titres, sont à mon sens assez bien choisis, en ce sens qu'ils éclairent en même temps toute une série de débats sur le fascisme, et sur le fascisme français. En particulier, tout ce qui concerne les débats autour de la décadence. Le thème de la décadence qui est omniprésent, bien sûr. Qui est évidemment omniprésent dans cette histoire. La question du clivage droite-gauche et de son dépassement. Le fascisme, au fond, pouvant être, et étant, ou devant être d'ailleurs, considéré comme un dépassement du clivage droite-gauche. Étant en même temps de droite et de gauche, n'est-ce pas, pour reprendre une formulation à la mode. Je ne pense pas que nos auteurs auraient été anachronistes. Enfin, cela étant, c'est d'ailleurs stupide. L'anachronisme en histoire n'apporte jamais rien. Mais en l'occurrence, effectivement, décadence, clivage droite-gauche. Et ensuite, on entre dans des éléments plus thématiques. Notamment tout le débat entre paganisme et christianisme, avec effectivement, alors là, un certain nombre de figures de choix, que ce soit Lucien Robatet ou Alphonse de Chateaubriand. Et puis, on décline évidemment toute une série de thèmes, jusqu'à cette question, évidemment, ce dernier chapitre sur par-delà le fascisme. Alors, il y a effectivement dans ce livre une approche thématique, et ça, je crois que c'est effectivement extrêmement intéressant. Parce que si Serran avait fait ce qu'il a fait d'ailleurs plus tard dans les décisions de l'Action française, c'est-à-dire des études d'auteur, le résultat aurait été, au fond, de nous donner six monographies. – C'est ça, voilà. – Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on les voit dialoguer entre eux. – C'est ça, ça permet de faire dialoguer les auteurs concernés. – On les voit dialoguer et on voit ce qui peut les rapprocher,
effectivement un certain nombre de refus, mais on voit en même temps toutes les limites de convergence réelle. Parce que, bien entendu, il y a entre ces hommes des différences absolument marquantes. – Il y a des parcours tout à fait différents, des profils différents, des âges différents. – Absolument. – Également quant à l'approche de l'époque. Et alors, dans ces thèmes qui sont ainsi abordés, en ce qui concerne le rapport entre christianisme et paganisme, par exemple, qu'est-ce que met en lumière Serran? Parce que c'est un… C'est pas absolument évident. Quand on pense aux différents auteurs concernés, c'est pas forcément un thème qui est majeur chez eux. Alors chez certains, bien davantage que d'autres. Hein, en particulier chez Lucien Rabatet et chez Alphonse de Chateaubriand, il y a un antichristianisme foncier. Oui. Et chez Rabatet, c'est tout à fait clair. Et on le retrouve plus tard dans son très célèbre et très bon roman d'ailleurs, Les deux étendards. Mais il y a effectivement, à travers cette réflexion sur le catholicisme, à prendre en compte aussi l'importance de l'engagement qu'ont pu avoir certains à l'Action française, toute la question évidemment des conséquences de la condamnation de 1926, et puis également, à travers ces réflexions sur le paganisme, la fascination que peut exercer l'Allemagne, et notamment l'Allemagne nazie. Parce que moi, ce qui me paraît très intéressant chez Serran, c'est que dans ce débat sur le fascisme français, il ne se contente pas, comme le débat actuel y ramène beaucoup trop, de traiter des années 30, il traite aussi de la période de la guerre. Ouais. Et je trouve qu'il a fondamentalement raison sur un point, c'est au fond d'insister sur ce moment de la guerre, de la collaboration, qui est véritablement le moment. C'est un moment de choix, bien entendu, mais c'est le moment où ce fascisme français essaye et échoue de se constituer véritablement, alors non pas en organisation, ce ne sont pas des organisateurs de forces politiques, mais de projets alternatifs. Et ce qu'il montre très bien, c'est qu'évidemment, le contexte, l'occupation, l'attitude de l'Allemagne, etc., etc., font que ce fascisme français a les ailes coupées. – Rendent impossible son émergence. – Voilà, en disant, mais finalement, comment sans nationalisme, un fascisme peut-il vivre ? Ça, c'est une des grandes questions que pose Serran. Animait aussi Thierry Molnier. Bien entendu. Comment être nationaliste avec les solidarités idéologiques que ça peut signifier avec des pays qui, par ailleurs, sont des adversaires de la France. C'est vraiment une contradiction majeure. Il y a une question qui m'intéresse concernant Brasillach. Parce que Brasillach, c'est à la fois la fascination de Nuremberg, le fascisme immense et rouge, les cathédrales de lumière et toute cette jeunesse qu'incarne l'Allemagne hitlérienne, mais en même temps c'est aussi un admirateur sans borne de la phalange espagnole et de l'épopée qu'a été celle de José Antonio et de ses amis, ou alors là on est effectivement en plein catholicisme. Où est-ce qu'il se situe Brasillach sur ce terrain-là? C'est une question absolument fondamentale, parce que en réalité Brasillach, c'est effectivement une sorte de synthèse, pour ne pas dire de syncrétisme, de ce fascisme français, avec évidemment la nécessité, me semble-t-il, de prendre en compte l'importance de la chronologie. C'est-à-dire, comme vous le disiez, Philippe Conrad, l'homme qui compte en Espagne pour Brasillach, c'est bien davantage José Antonio Primo de Rivera que Franco. Et d'ailleurs, il y a dans les derniers textes de Brasillach de 1944 en particulier, un certain nombre de critiques légères, mais de critiques quand même contre le franquisme, etc. etc. Donc il y a effectivement ce premier point. Deuxième élément, ce qui est très important, c'est la fascination, et ça Serran le montre bien, de Brasillach, mais d'autres également, chez Rabatet c'est très perceptible aussi, une fascination pour l'esthétique. – C'est ça. – Une fascination pour l'esthétique et une sorte de projection, évidemment, de l'écrivain
vers ce qu'il croit discerner de ces événements ou de ces personnages. Et à propos de José Antonio Primo de Rivera, ce qui est très intéressant, là c'est, on n'en parle pas directement, mais c'est au moment de la mort de Primo de Rivera, les articles qu'écrit Brasillac à ce moment-là, donc on est en 36, hein, on 36. Est à l'automne 36, puisqu'il est fusillé à Alicante 36, ouais. par les Républicains. On voit un José Antonio comparé au Cid. Et là, on retrouve évidemment toute la culture classique de Brasillac, le poids de Corneille, etc. Alors, Corneille, me direz-vous, et ça c'est une question non résolue, ou alors il nous faudrait beaucoup plus de temps, que vient faire le national-socialisme dans tout ça? Oui, c'est ça qui paraît un petit peu contradictoire. Il y a à la fois l'héritage d'AF, l'héritage d'une tradition catholique qui est admirée, et puis en même temps la séduction qu'opère le nazisme. Oui, et je pense qu'alors là, pour le coup, il y a la dimension esthétique, effectivement, les cathédrales de lumière, et je crois qu'il y a aussi chez Brasillac la séduction de la force. C'est-à-dire que le nazisme incarne à ses yeux la force. Et il n'est pas le seul d'ailleurs à le penser à l'époque. Titres de Chateaubriand célèbre, c'est la gerbe des forces. Et face à une France affaiblie, jugée aboulique, etc., c'est ce qu'explique Robatet à propos de l'action française dans les années 30, mais plus largement. Quand il fait le tableau de l'inaction française. Oui, de l'inaction française. Mais quand Robatet fait le tableau des foules de 1936, défilant, etc., etc., c'est vraiment. Il y a un sentiment d'abjection vis-à-vis de cette société française. Et, à l'inverse, effectivement, une sacralisation de la force telle qu'elle est perçue par ces hommes. Sacralisation, donc, de la force de l'autre côté du Rhin. Alors on a l'impression que ces différents auteurs, avec leurs sensibilités différentes, ils sont quand même très, très isolés. On ne voit pas derrière se constituer, comme vous l'avez dit, une véritable force politique qu'on pourrait assimiler à une forme française du fascisme. Il y a eu des tentatives, il y a eu des interprétations ensuite, mais quel est votre sentiment à ce propos? Est-ce que, par exemple, les tentatives d'un Doriot ou d'un Déa peuvent être assimilées à ce qu'aurait pu être un fascisme français, étant donné leurs itinéraires respectifs et leur discours? Oui, alors assurément, alors pour répondre d'abord à votre première question, c'est effectivement l'objection qui était faite à Serrand. C'est-à-dire que Serrand, encore une fois, lui s'intéresse au fond à ce qui pourrait être une approche essentialiste du fascisme, et il y voit d'abord un phénomène littéraire et en même temps très minoritaire. Alors, phénomène littéraire, pas exclusivement bien entendu, minoritaire, assurément. Ouais. Et si on regarde effectivement les partis d'inspiration fasciste, pendant la guerre en particulier, d'inspiration fasciste, ou en même temps tournés vers le national-socialisme. Parce qu'on observe aussi que les références italiennes, que l'on pouvait trouver par exemple dans le Parti populaire français d'avant 40, sont éclipsées progressivement par des références qui empruntent davantage à l'Allemagne. Et ça, c'est un élément tout à fait intéressant. Mais si on cumule effectivement les effectifs du Parti populaire français, du Rassemblement national populaire de DA, du mouvement de l'Oncle, plus les hommes du Front de l'Est, etc., etc., donc on arrive à des dizaines de milliers d'adhérents, mais on n'arrive évidemment pas à la constitution d'un parti de masse comparable à ce qu'on a vu à l'étranger. Mais il faut bien voir aussi que le contexte s'y prête extrêmement mal. Alors, cela étant, ces hommes ont des destins différents parce que certains d'entre eux ont été très engagés du point de vue militant. Je pense en particulier, alors avec des hauts et des bas, mais à Drieux-La Rochelle, au Parti populaire français. Voilà. C'est ça, il s'en va au moment de Munich, il revient ensuite et ça se termine par le suicide. Absolument. Drieux apparaît un peu comme un peu un électron libre dans toute cette constellation. Oui. Mais c'est en même temps, pour le coup, quand on lit le livre, c'est sans doute celui qui, du point de vue de la théorie politique, réfléchit le plus
par rapport aux autres. Hein, car effectivement, Drieux cherche, lui qui était quand même le grand intellectuel du BPF, on cherche au fond les voies d'un fascisme français et essaye de le construire, au plan théorique, bon, avec les difficultés que cela représente. Mais le fait qu'il ait été engagé et de quelle façon dans un parti a son importance, bien entendu. C'est lui qui écrit Socialisme fasciste. Alors qu'il avait écrit en 1934, voilà, absolument. Ce qui est déjà en soi un signe intéressant. Un signe intéressant, c'est celui qui a sans doute le plus réfléchi sur le dépassement du clivage droite-gauche, et puis également dans une perspective européenne qui, alors elle, là, est quand même tout à fait originale. Hein. On revient à ses écrits des années 1920. À Genève ou Moscou, d'ailleurs. Ses interrogations de combattants des tranchées. Ça, c'est un... c'est intéressant parce que c'est peut-être le seul qui porte à ce point cette dimension européenne ou européiste, un peu rêvée à l'époque. Hein, mais, et avec, encore une fois, une vocation théorisante. Ce qui n'est évidemment pas le cas d'un Céline, bien entendu. Ou même d'un Brasillac, qui joue sur la sensibilité qui témoigne effectivement de son époque. Et alors, dans ce romantisme fasciste tel que l'a vu Paul Céran, est-ce que vous voyez des absents qui auraient pu être ajoutés à cette liste ? Assurément, on pourrait prolonger, y compris en prenant des gens de la jeune génération, de l'époque. De l'époque. Je pense en particulier à quelqu'un comme Lucien Combel, par exemple. Lucien Combel aurait sa place dans tout un travail là-dessus. Non, il y en a un certain nombre. Bon, il a choisi des grands noms, ce qui me paraît tout à fait légitime, et il a en même temps effectivement fait l'effort de prendre des gens très différents. Ce qui permet de montrer évidemment de la plasticité, la plasticité du terme fasciste. Et Thierry Molnier ? Thierry Molnier, non, parce que, enfin, à mon sens, non. Parce que autant Thierry Molnier est intéressant pour le fascisme des années 30. Des années 30, et en particulier les années 36-37. C'est-à-dire là où il y a une tentation fasciste chez Molnier, c'est en 36-37, au moment de combat et surtout de l'insurgé. Après, Thierry Molnier s'engage dans de toute autre voie. Et lui reste d'ailleurs à l'Action française. Et ensuite, on connaît son parcours, ses positions au Figaro et ailleurs. Merci beaucoup pour cette présentation, Olivier Dard, donc de cet ouvrage, Le romantisme fasciste de Paul Céran, publié donc aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, que vous avez préfacé.